Ce livre est un moment important de l'agence. C'est un moment où l'on réfléchit sur ce que l'on a produit, où on jette un regard critique sur notre production et qui en même temps nous engage pour l'avenir. Toutes les agences d'architecture, et en particulier la nôtre, avec la quantité de projets que nous produisons, a une histoire et cette histoire est racontée de projet à projet. Donc quand on met les projets ensemble, cette histoire est à la recherche et trouve sa cohérence. Ce livre donne à voir des dimensions très particulières du travail. Par exemple, il y a un travail qui a été très approfondi sur la question de l'espace de travail. Regardez ce que l'on appelait le bureau, l'immeuble de bureau antérieurement, et qui est devenu maintenant un lieu de travail, c'est-à-dire un immeuble qui a des relations avec la ville, qui doit avoir des performances de durabilité très élevées et qui doit réinventer en quelque sorte la façon de travailler. Et là, dans le livre, il y a le projet d'immeuble de Batignolles, qui est très original parce qu'il offre des dispositions écologiques, environnementales, de l'espace de travail très nouvelles. Ça a été la même chose pour la tour Majunga, dans une préoccupation que moi j'appelle la diminution du stress dans l'espace de travail. Donc ce livre contient des projets nouveaux et qui ont été peu montrés, qui là sont rassemblés et qui donc montrent à quel point toutes ces productions, qui sont dans des domaines différents, affirment leur cohérence et leur similitude. Le livre existe en version française et en version anglaise parce que les architectes, et nous en particulier, avons agrandi nos territoires. Et l'anglais est en quelque sorte la plateforme que nous utilisons pour communiquer les uns avec les autres. Un livre d'architecture, c'est à la fois des images et du texte, et que l'on lit et que l'on regarde. Et là, les textes de Margot Guillain sont en cohérence avec la vision que l'on peut avoir de l'architecture que nous produisons. C'est une opportunité qui m'a plu beaucoup quand on a fait ce livre, parce que c'est une collection nouvelle, donc je pense que c'était bien que l'on soit dedans, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça.